Eh bien, salut à tous, c'est Mister Nectio. Donc, aujourd'hui, on se... Non, on se retrouve pas, mais bon, si, en quelque sorte, pour une série que j'ai décidé de commencer sur Minecraft. Vu que j'aime beaucoup ce jeu, donc on va faire une aventure suivie. Donc, en solo. Et je vais de suite créer le nouveau monde. Donc, je vais l'appeler Mister Nectio 2, parce que j'en ai créé ce matin, mais il y a eu quelques soucis, donc un survival, on le crée. Allez, 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 allez. Oh! Oh, c'est ce qui s'appelle avoir beaucoup de chance. Donc commencer directement dans un biome jungle, pas mal du tout. Donc je suis comme vous, je ne connais pas du tout le terrain. Donc je vais juste à peine augmenter la vision. Pas que ça lague trop. Donc je tourne à 15 FPS. C'est pas énorme hein, vu que j'ai pas un ordi de compétition. Donc ben, on va aller ramasser du bois. Hein. Suis vraiment content d'être directement tombé sur ce biome jungle. Il y a pas mal de choses à faire dans ces biomes en général. Bon, pour en sortir, c'est autre chose, mais bon. Déjà, dans ce biome, au niveau du bois, je manquerai pas. Alors, je vais tout convertir. Donc, j'en prends 4 pour me faire la table de craft. Et je vais directement me faire premiers outils indispensables. Et une épée. Au cas où, hein. Donc ça, on le récupère à la main. On va pas directement user la hache. Hein. Par où on va partir? Donc ce qui serait sympa, ce serait de faire la maison peut-être vers là-bas. Ça a l'air un peu dégagé, donc on va aller voir. Ici c'est pas mal. Ici c'est pas mal du tout. Ou alors de ce côté. Ouais, ici c'est pas mal aussi. Enfin, on va partir un tout petit peu en exploration. Je veux de la canne à sucre. Une toute petite île, on dirait. Donc je suis désolé si vous voyez pas grand chose, mais c'est pour pas que ça lague et pour pas que ça fasse comme les vidéos que j'ai faites ce matin. Donc vous ne verrez pas hein, vu que ben, ça a merdé. Je m'en excuse, mais il y a largement de quoi faire là. Ben, je pense que je vais la faire ici, ma petite maison hein. Donc ce sera pas la petite maison à prairie, mais la petite maison à jungle. Hop, on récupère déjà ça. C'est toujours ça le prix. Alors, j'ai la hache, autant l'utiliser. Même si elle est pas très, très costaud. Donc pour pas perdre de temps, je vais directement construire. Voilà, vas-y,
chien, c'est qu'il y a du sable à proximité, donc si jamais j'ai besoin pour les vitres. Donc là déjà c'est pas mal, hein. Ça fait une bonne petite maison. Voilà, donc la forme est assez spéciale, donc ça risque juste d'être galère au niveau du toit, mais j'aime bien en fait les maisons comme ça, puisque ben, ça change tout simplement des maisons carrées ou en L. L'entrée, où est-ce qu'on va la faire? Ici. On va la faire ici. Ici, on va mettre notre table de craft. Ou ici. Quoique, non, on va pas mettre. J'aurais dû me déconnecter de MSN. Parce que ça me perturbe de. Tac. Toi, je vais récupérer ton bois. Donc le premier épisode, ça va être surtout, je pense, la construction de la maison. Donc je pourrais le faire en hors caméra, donc c'est pas très passionnant. Si je vois que je prends un peu trop de temps, c'est ce que je ferai. Plutôt que faire juste du récoltage de ressources pendant le premier épisode. Et faire. Une pelle. Je vais varier les différents types de bois. Donc la maison, elle, sera en bois normal, tandis que le plancher, lui, sera en baobab. Donc heureusement que la surface de la maison n'est pas très grande, hein, puisque bon, ce n'est pas très passionnant. Mais bon, c'est assez rapide donc. Que je n'aurai pas assez de bois. Il va m'en manquer. Bon, c'est pas grave, c'est pas ce qui manque autour. Je sais pas pourquoi je vais au plus loin alors que j'en ai juste à proximité. Ah, mais ça, c'est du bois normal. Donc ça sera pour les fondations de les murs de la maison. Donc c'est bien quand même de trouver un peu tous les types d'arbres à proximité. Ça permet de faire des choses sympas. Je suis vraiment super content d'être tombé directement dans ce biome jungle. Dans l'autre monde que j'avais créé, j'étais tombé sur des plaines. Donc c'était pas mal aussi puisque j'avais pas à planir le terrain. Mais c'est toujours plus intéressant un biome jungle que des plaines, hein, qui sont plus fréquentes à trouver. On récupère les pousses d'arbres aussi.
Ça me gêne un peu. La maison. Donc voilà. En fait, ça dure pas mal de temps quand même la hache en bois. Là, je gaspille inutilement la hache, je suis d'accord. Il faudrait se dépêcher un tout petit peu puisque la nuit arrive. Et là où je risque d'être ennuyé, c'est que je n'ai pas de laine. Et que la nuit tombe même très vite. Hein. Bon, tant pis. Hein. Donc, je vais utiliser les planches de baobab pour tout ce qui est outils. Puisque c'est pas un bois que j'aime particulièrement. Je le trouve en fait assez moche. Mais bon. Donc, ça. On n'a pas besoin, ça je le garde. Le stick, moi j'ai les trucs de baobab donc c'est bon. Bon. Donc on va déjà mettre la porte. Voilà. Il y en a qui se connectent sur MSN. Donc je partirai un peu en exploration, hein, histoire que quand même ce premier épisode soit pas sans grand intérêt. Je me suis enfermé dedans. Donc bien évidemment, je n'aurai pas assez de bois. Hein. Ça c'était sûr à 100%. Donc, eh bien, on va y aller, les amis. Hein. On va y aller. J'entends déjà un squelette. Hein. Donc le souci, hein, un chat. En fait, je sais même pas si c'est des chats ou des guépards. Vu leur couleur, moi je dirais que c'est des guépards, mais bon, il y en a qui disent que c'est des chats. Hein, non. Bon. J'ai cru que c'était une la caverne. Bon, tant pis. Hein. On récupère quand même là. De la cobble. Faudrait pas que je me perde quand même, parce que ce serait assez ennuyeux. Surtout que c'est très facile de se perdre dans ces biomes-là. Voilà, à la limite j'ai calogé la côte, mais bon. En plus je n'ai pas de charbon, donc. Oh, ça c'est. Il y a un creeper en bas. Donc c'est pas avec ma petite épée de merde là en bois que. Ah, si, il y en avait bien un. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une fausse frayeur.
je voulais pas qu'il explose, c'est raté. Bon. Donc ce serait bien. Ah. Ouais, sauf que il me faut me faire des outils. Puisque je suis pas du tout rassuré. Parce que j'entends des bruits de pas. Donc on va récupérer vite au moins un. Plus avec la musique bien flippante. Alors, déjà, je suis plus rassuré. Et vous y voyez aussi beaucoup mieux. Je récupère le charbon puisque c'est toujours utile. Donc c'est toujours comme ça au début, tout le charbon qu'on trouve, on le récupère. Et une fois qu'on a 6 stacks de charbon, on en a un peu marre. C'est un bon filon, j'ai l'impression. Récupérer d'un coup s'il est trop gros. Bon, ça va, je crois avoir entendu un bruit de creeper qui tombe. Mon dieu, j'aime pas ces cubes là. Torche, donc je les ai posées de quel côté? Du côté droit. Donc oui, une astuce. Ah mais ça a l'air pas petit du tout quand même. Je vois un monstre là-bas. Donc je la garde de côté. On espère la retrouver. Si je veux l'explorer de nouveau, hein. Tout simplement. Donc je la garde de côté. Ça a pas l'air petit. Et il y avait autre chose que je voulais dire, mais je sais plus ce que c'est. Bon, tant pis. Ah oui, on va se faire directement une épée potable. Parce que bon, les pains en bois, ça dépanne, hein, mais rien ne. Ça me fait toujours stresser d'entendre ces bruits de pas là, de monstres. Okay. On sait jamais d'où ils viennent. Bon, je sais même plus d'où je viens non plus. D'accord, c'est pas un monstre, c'est un chat qui me fait flipper depuis tout à l'heure. Donc je viens de par où? Je viens de. Donc je l'ai trouvé par là. Oh putain, c'est la galère. Ah oui, si. Donc je viens de par là. Je me souviens de la petite fleur que j'ai croisée tout à l'heure. Oui, si, c'est bon. Donc maintenant que j'ai du charbon, je vais me faire une tour en bouse de pour me repérer. Comme ça, j'aurai pas à chercher pendant 3 plombes. Enfin, j'espère. Donc, ouais, ici. Donc je la fais quand même assez haute. Hein. Hop. Voilà. Oui bon, on fait des tours de bouse. Il n'y en a pas 56 000 quand même. Donc si je passe par là, voilà. Ah! Tu as crevé, charogne.
la seule action très importante de l'épisode qui a failli me coûter la vie. Non, il y a eu les creepers aussi tout à l'heure. Putain, mais ils sortent d'où ce con? Hop. Ah! C'est bon pour se faire tuer ça. Et je suis pas du tout rassuré moi dans ce trou. Donc je le bouche. J'ai pas envie qu'il y ait un truc qui me tombe dessus. Donc écoutez les amis, ben, on va se quitter là pour cet épisode. Donc le jour se lève. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Salut!